À partir de ce moment, on va déclarer notre nouvelle FIAC 2017 ouverte. Et je vous invite à répéter avec moi FIAC, Foire Internationale d'Art Actuel dans l'échec. Alors, cette aventure a commencé par une amitié, puisque je connais très bien donc Pascal et Didier. Donc Pascal Nectou, qui est parti de l'organisation de ce festival, et qu'ensemble, lorsque je suis partie comme ambassadrice donc de France en Croatie, eh bien, est venue l'idée d'avoir un pays pour la première fois invité dans ce festival international, et nous avons décidé que ce serait la Croatie. Voilà, et à partir de là, eh bien, le processus a été engagé et nous avons pu, avec le festival, grâce à l'Institut français en Croatie, inviter deux artistes croates à participer. I'm an artist from Croatia, and your name? I'm Polina Jasvic, and I present for the first time in Puy my artworks, and very satisfied with this exhibition, with this connection, Vinar and artist. My name is Gordana Bakic from Zagreb, and I'm exhibiting here in Puy some of my latest paintings, and so I'm very, very glad that I could show them here. Et les trois finalistes étaient, si je me souviens bien, le domaine Chauveau, qu'on peut applaudir bien fort. Le domaine Marchand. Et le troisième était le domaine Congy, et c'est le domaine de Congy. Bien, écoutez, je souhaiterais remercier les artistes qui ont participé donc, à ce concours. On ne peut pas dire forcément que c'est le meilleur pain, mais c'est celui qu'ils ont préféré. Alors, le premier prix qu'on va donc décerner, c'est le prix Zeuxis. Il concerne un vigneron et un peintre. C'est, l'artiste est Isabelle Choquet. Et vigneron. Sauf que franchement, vous êtes un pays merveilleux. Si tout le pays était comme ça, et même l'Europe, je crois qu'on n'aurait plus de problème d'élection. En tout cas, je vous remercie tous, parce que c'est merveilleux. C'est super génial, et voilà. Le deuxième prix, donc, c'est le prix spécial du jury. Alors, c'est Olivia Rold. Merci le jury pour son sympathique et les échanges fort intéressants avec le public. Et... Le grand prix est attribué à Philippe Costes. Donc ouais, c'est juste pour dire que je suis très touché et puis très honoré aussi au vu de la qualité des travaux qu'il y avait ici à la FIAC.
où on sent une grande vie, une liberté de l'art, détachée de tous ses objectifs qui tirent l'art vers le bas, et un retour de la peinture. Et j'irai même plus loin, le centre du marché de l'art est à New York, et le centre de l'art est à Pouilly, sur Loire. Et moi, ce qui me frappe, c'est que sur les quatre dernières années, enfin avec cette cinquième édition, on voit peu à peu s'affirmer les choix des vignerons, qui sont des galeristes à part entière maintenant, de plus en plus. Et donc, quand on regarde dans la continuité quels artistes ils ont choisis année après année, on s'aperçoit qu'un style s'affirme dans chacun des différents chais et qu'ils ont une personnalité de galeriste qui commence à se constituer.